Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de The Evil Within, donc l'épisode 7. Alors c'est parti. C'était proche. Je suis là, du calme. Personne ne va te faire de mal. 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 De mal. On doit rester ensemble, c'est le seul moyen. Une petite cartouche. Regarde bien lui. Hé, hey, Joseph, est-ce que ça va? Sébastien, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de sauter? Quand t'es au dernier étage, ou quand le métro passe. Imagine que t'en aies envie pendant une minute entière. Puis deux minutes et... Ah. Ça fait trois fois que tu résistes, Joseph. T'apprends à le contrôler. Tu m'écoutes pas. J'ai pas peur de perdre le contrôle, Seb. J'ai peur de ne plus avoir envie de le contrôler. Une partie de moi veut céder. Je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me raisonner. C'est bien plus profond. C'est comme un instinct. Et c'est de plus en plus fort. Tiens bon. Allez. Oh ben il est là. Quelle tronche il a semé. What? Bon. Chapitre 7, le gardien. Personne ne va te faire de mal. Personne ne va te faire de mal. Je ferai bien de retrouver le partenaire. On change de munitions. Thank you.
Bon, ça va, on commence tranquille le niveau, hein. Bon, alors, y'a quoi? Attends, je peux être voir ce qu'il y avait dessus. On se casse. Comment s'entendez? Voilà, un peu d'action. Il bouge pas lui là. Allez. Bon, il a pas l'air de se décider. Tiens. Ce truc ne tient pas. Oh merde! Je trouve que ces caisses sont encore sur la tête là. Ah.
munitions. Alors, on va poser le truc là, à mon avis. Ça s'adapte. Heureusement que je l'ai pas vu de plus près. C'est encore une maison. Ça, travaillons-moi. Ce vieux bug. Excellent. Voilà. Récupère ça, un peu de vie. Oula. Je vais me sauter dessus, mais tu vois. Cette jauge. Une jauge toxique. Ouais.
Pas trop vite. Allez. Croyez. Bon ben voilà. Nickel. Go. Ils sont pressés. Ça, c'est fait. Il n'y a rien d'autre. On se casse. Faut le voir celui-là. Oh finaise. Putain, je crevais ça. Excusez-moi. Lâche-moi cette bête. Mais crame. Ça nous fait beaucoup d'exploration jusque là. Très peu d'action. Très peu de commentaires. Je suis un peu fatigué aussi, excusez-moi.
Bon, y'a rien. Hop. On va faire le deuxième. Ils auraient pu trouver un autre système que les seringues, sérieux. Ça fait un peu camé sur les bords. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ce cafard, ce profiteur, il s'est servi de moi. Il a volé mon travail. J'aimerais bien savoir comment il a trouvé la combinaison de mon coffre. Mais j'ai mieux à faire pour le moment. J'y suis presque. Personne ne touchera à ces données, sauf moi. Elles sont à moi. Ma seule issue. Si quelqu'un d'autre ouvre ce coffre, il devra en payer. Toi qui fabriques ces espèces de coffre chelou là, avec un mec dedans. Ouais, non, c'est parce que justement, c'est lui qui l'a ouvert et du coup. Il était puni. Maintenant, c'est un monstre avec une boîte à la place de la tête. Enfin, un coffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Alors un vieux truc de gris qui vient me tomber dessus, ça m'étonnerait pas, on va s'écarter. Tiens. C'était trop près. Oula, ça par contre. C'est quoi ça? Zombie. Mais non, c'est pas visé ou quoi? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, la porte. Alors. Allez, cassons. Saloperie.
de la petite HF. Tout ça. Putain, mais. Putain, quel pognon. Mais prends les balles. Putain. Et merde. Putain, il y en a partout. Il y en a un autre là-bas. Hey. Tes gueules. Ah bah nickel. Pour faire le plein. Allez hop, on se casse. Je crois que c'était une statue. Putain, la démarche qu'il a quand il court dans les marches. Sympa. Alors, d'accord. Et la munition. Faire écraser ton coup de cœur. Monte et monte là. Allez, je me demande s'il n'y a pas un truc. Vas-y, refais-le tomber. Ah, tiens. Je les sens venir, moi, les trucs comme ça. Il y a aussi une petite clé. Ah, je comprends pas.
La dernière. Un peu mon perso. Donc là je vais sûrement faire un coupage au montage, éviter juste couper le moment où je booste le personnage. Chercher mes petits trucs. Ah bah parfait. Hop. 5000 de plus. Et c'est que ça. Je peux même pas le prendre aussi. Ça, allez hop. Il restait rien de l'autre côté. Non. Ok, bon. Ouais, donc je vais couper au montage de partir. Ah, ça sera sûrement plus rapide si je coupe. J'imagine au montage. Donc on est reparti. Je peux rien faire. Je peux. Vas-y, enlève-toi. Je vais courir direct. En cours. Pour le moment, me faire écraser. Ça va bien. Ouais. Kid. Kid. Kidman? Elle est dans le coin? Kid. Kid. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Recule. J'ouvre la porte. Ouvre la porte. Je
chelou cette fumée. Putain, y a encore plein de caisses. Il va apparaître, ça m'étonnerait pas. On va charger toutes nos armes. Puis on va prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Prendre une grenade. Allez, go. Des belles, non, je peux pas prendre de la vie. Allez hop, petit taquet. Oula, je crois que c'est pas là. C'est pas l'air d'être là. On va retourner en arrière. Vas-y, cours, 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 cours. On est stoppé. T'as de la chance qu'il est pas très vivace la plupart du temps. Putain, y a encore des caisses partout. Il va apparaître là, c'est obligé. Obligé. Il faut que j'aille. Y'a rien. C'est de la vie, des belles. Une petite picouse. Ah là, yes. J'aime pas cette vue de derrière. Débarquerait de derrière, ça m'étonnerait pas. Ah tiens, pas manqué. Il fait
Ouais, d'accord. Je me tue, fais ça, j'apparais le PC. Ce truc. Tiens, une bonne grenade. C'est chiant. Non. C'était ma dernière. Hey, je n'ai plus. Il est où? Je vais remettre de la vie. Non, non, je vais après. Ouais. Non. T'as pas fini quand il est là et qu'il t'a tout là, ton cul c'est mort. Moi, je me casse pas où. Ah ouais, t'es comme ça toi. C'est sûr que je risque pas de l'éteindre. Ah ouais, si j'en ai vu un sur la table. On ne pouvait pas le prendre. Ah, peut-être qu'on pourra le prendre. C'était où? Ah, là, ça devait être là. Nickel. Parfait. Et après, tu perçois. Il est déjà là, lui. Il se pêche partout. Allez, cours, 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 cours. Vas-y, vas-y, vite. Fais ton truc. C'est bon, il est pas là. Tourne, 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 tourne. Il arrive un peu vite, là. Flash, 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 flash. Oh. Qu'est-ce que toi? Mais non, mais putain. Putain, mais elle revient tout le temps, c'est pas vrai. On se casse. Plus de munitions. Je suis tué. Ça me laissera un peu de temps. Allez, cours, cours. Je sens pas ce truc. Oh, si c'est pas. Vas-y, ferme, ferme. Voilà. Mais monte. Ah oui, je vais pouvoir l'écraser. Ah non. Non.
C'est bien ça. Ah si, maintenant je vais pouvoir l'écraser. Dépêche-toi, allez. Ouais, ouais. Là, terminé. Ah, au moins. Ouais, tu m'étonnes. Ça a l'air plus calme ici. Ça a l'air plus sain aussi. Déjà l'eau elle est normale, elle est pas en sang. Alors c'est quoi là, je crois que c'est l'escalier où il s'est barré l'autre couille molle. D'accord, donc demi-tour. Local pour la route à la sortie. Ah bah non, c'est pas une sortie, c'est un trou qui est encore plus profond. Mais non, bon alors qu'est-ce qui nous attend? Fin de niveau, donc on a fini le chapitre 7. Donc bon, c'était pas très mouvementé hein, comme épisode. Bah, j'espère qu'il vous aura plu quand même et on se retrouve sûrement pour la suite et très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous, bonne soirée ou bonne journée.